Hello petits painters et painteuses. Bienvenue chez Savi, je suis Jérôme, je suis responsable national pour la marque La Brosse du Peintre. On est ici dans une entreprise familiale, Henri Savi, dont les débuts commencent en 1836 avec la brosserie Chavant qui a vu le jour à Lyon. La famille Savi ayant racheté l'entreprise Chavant et donc est venue ici en Ardèche dans les années 60 pour développer la marque Savi. Et donc on est dans les locaux historiques de l'entreprise finalement, où on fabrique nos brosses, nos manchons. En tout cas, merci Jérôme de nous avoir invités dans cette magnifique place, j'allais dire. Et juste entre nous, les camions passent par ici. C'est ça. Hein. Et ils arrivent là. Et ils font, et là c'est la place de retournement en fait. Ah ouais, d'accord. Là, ça là. Oui, ça là. Ouais. Les semis passent ici, ils s'amusent. Ouais. Ils doivent vous maudire quand ils viennent ici, le mec. Le matin, le mec, il prend là sa vie. Oh, ouais. Oh non. En fonction de la production, on est entre 35 et 40. Le reste, donc une dizaine sur la base logistique au Pouzin. Ça fait quand même une cinquantaine d'emplois sur la région, quoi. C'est ça, tout à fait. L'Ardèche est souvent associée à quoi? À la châtaigne, au fromage de chèvre et au sanglier. Ouais. Du coup, le poil de cochon, ça va bien avec la brosse. Pourquoi quand tu dis le poil de cochon, tu me regardes bizarrement là? Bon, on va faire un petit tour alors. Moi, je te suis, c'est toi notre guide. Ah ouais. J'ai une question là qui me vient d'ordre technique, puisque c'est un bâtiment qui à la base n'était pas fait pour. Oui. Apparemment, tout a été adapté à la production. Tout a été rajouté, adapté. On a même, puisqu'on va voir là, on a l'impression que c'est de plein pied. Mais en fait, on a déjà un étage, mais après, on a des sous-sols. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on a dû adapter en mettant des ascenseurs, en mettant un ascenseur pour pouvoir acheminer la marchandise, les matières premières. En fait, c'est un iceberg en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ça c'est vraiment la partie immergée. Non, pardon, l'inverse immergée, plutôt. Voilà. On a un environnement de travail qui est hyper agréable. Ouais, c'est clair. Le monsieur dit ça parce qu'il n'est pas derrière la machine. Mais c'est le fait que ce soit en sous-sol, que ce soit silencieux comme ça. Effectivement, oui, mais ça donne sur l'autre partie, sur la partie rivière en fait. Une chance. Les employés, ce n'est pas des Chinois, ils ont le droit à des pauses. Avant et après le travail. Allez, je te suis. Allez, on y va. Bertrand qui est le responsable de tout l'atelier. Voilà. Salut Bertrand. Ah oui, là c'est déjà beaucoup plus bruyant. Ça pourrait être utilisé pour le musée là. Mais le principe reste toujours un peu le même, sauf qu'il a été modernisé et revu et corrigé. Ah oui, celle-ci elle est restée en place mais elle ne fonctionne plus. Ah, là c'est vraiment les anciennes machines pour fabriquer des pinceaux plats. À l'ancienne, ça j'aime. Il est resté les vieux poils encore dessus. On entre dans l'antre de la fabrication des brosses. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Non, Stéphane, Sébastien. Enchanté. Comment passer les poils, Sébastien? Sébastien, ils sont dans les cartons. Et là, avec ça, si on loupe la pose,
Et donc elles tournent sur les machines, elles peuvent être soit ramasseuses ou soit meneuses de machines. Et comme les majorettes. Donc elles fonctionnent sur les deux machines, que ce soit des pinceaux plats ou des pinceaux ronds, elles sont aptes à fonctionner sur toutes les machines. Une vingtaine de personnes. Une vingtaine. Alors en sachant que dans cet atelier, donc on fabrique les pinceaux, on a des séries de pinceaux qui passent pas en machine parce que c'est des fabrications très particulières. Spalter, genre de spalter. Essentiellement les radiateurs qui avec l'ange coudé, des choses un peu très particulières. On a un atelier de fabrication qu'on appelle manuel. Par rapport à tout ce qui s'est passé, vous n'avez pas été embêté vous avec les. C'est-à-dire que nous on a une capacité de stocker largement à l'avance. C'est-à-dire qu'on a des très bons rapports avec nos fabrications de soie. On a un stock qui est assez conséquent. On stocke à peu près pour une année. De fabrication de pinceaux. Donc en arrivage, c'est un container, et un container, c'est 36 palettes, je crois, de soie. D'accord. Donc, sachant que dans un carton, il y a 25 kilos de soie. Oui, au niveau des brosses, c'est à peu près 10 millions de pinceaux, tout confondu. 6 millions d'enlots, d'accord. Donc là, c'est une ligne de fabrication de pinceaux ronds. La matière première qui est de la soie ou du mélange. D'accord. Ouais. Donc là, on travaille du mélange, notamment pour cette gamme de pinceaux. Donc tout là, c'est notre stock de préparation, tout ce qu'on va faire dans la journée en pinceaux. Ah oui, ok. En fait, le principe, c'est qu'on a un système de godet qui avance sur la machine. Nous, on vient mettre la partie métallique qui s'appelle la virole. On change de hauteur de soie, de qualité de soie. D'accord. On change forcément les paramètres de la machine. D'accord. Donc là, c'est automatisé. La machine, c'est une fabrication italienne. C'est les seuls à fabriquer ce type de machine. D'accord. Ils l'ont fait pour nous sur commande. Donc l'opérateur, lui, il est en charge de mettre les viroles. Il va alimenter son magasin de soie. Ça se la met de niveau. Là aussi, on a un second cycle où ça va venir nous la taper. Après, on prépare le paquet de soie qui convient et on l'amène et on le rentre dans la virole. D'accord. Second. L'autre étape. Il ne met pas grand chose à côté. Hein. Non, il met pas. C'est le but de ne pas en mettre trop à côté parce que le prix de la soie, c'est énormément cher. Donc on va venir vibrer nos soies là pour les équilibrer, pour qu'elles soient toutes à la même hauteur et pour les délier surtout. Qu'on a besoin parce que quand elles sont dans les cercles comme ça là, elles sont assez serrées les soies. Donc le principe c'est qu'on va venir les délier, on va leur donner un peu d'ampleur pour qu'après elles puissent se travailler facilement. Donc on a deux postes de vibration là, qui vont venir vibrer les soies. On va lui donner la première forme qu'on veut. D'accord. Donc là c'est une forme rechampir, on pourrait faire du bombé avec. Ensuite on a un poste de formage proprement dit, c'est là on va lui donner la forme finale. Le principe c'est de faire monter la soie sur la contreforme qui vibre. On va donner de la place dans la virole parce qu'on a nous on a de la colle à mettre, donc on va tailler légèrement le talon. D'accord. Et à savoir que la soie est très abrasive et ça use rapidement les lames. Donc là on va mettre à la longueur déjà du pinceau final. D'accord. Donc le principe c'est de pousser sur le dessus et de tirer en bas. D'accord. Si jamais il y a des poils qui sont récalcitrants, on va venir les brûler simplement. D'accord. Pour que le pinceau, quand on va pouvoir le mettre le manche, il n'y ait aucun poil qui dépasse. À cette étape-là, on va venir mettre la dose de colle. Maintenant, la dernière étape, ça va être d'y mettre le manche. Là, il y a une opération de manchage qui se fait en manuel. Donc, Béatrice, là, en l'occurrence, elle voit arriver une rangée de godets. Il y a 13 godets à chaque fois. Elle vérifie la présence de la colle. Elle vérifie que sa touffe elle soit bien formée, qu'il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, elle met le manche. Et donc il est amené sur un tapis et là on va passer à l'épreuve de débourrassage du pinceau. Alors, le principe débourrassage, c'est-à-dire que tous les poils qui n'ont pas été encollés, parce qu'il y en a quelques-uns, ou des poils qui sont en périphérie, on va les brasser avec des batteurs qui tournent à grande vitesse. Et on va éjecter tous les poils qui n'ont pas été, encollés. Pour au final avoir un produit sans perte de poils. La prochaine étape, ça va être le taillage. D'accord. Le principe, c'est de conserver au maximum la fleur du pinceau. Ouais, ouais. Pour cette petite visite, mon cher Jérôme, on va aller quand même serrer la main de l'arrière-petit-fils de Monsieur Savy. C'est ça, ouais, tout à fait. Qui nous a ouvert quand même les portes de sa magnifique cuisine avec ses gentils petits employés qui travaillent très proprement. Et tout
fabriqué français. En France. Voilà. Donc tout à l'heure, on en parlait ensemble, hein, on est à quelque chose comme 6 millions de rouleaux, si j'ai bien tenu, et 10 millions de brosses par an. Hein. Voilà, 10 millions de brosses à l'année, 6 millions de manchons à l'année. Ça fait pas mal de réchampis. Ouais, ça en fait pas mal. Ouais. Des réchampis chiés, c'est pour ça qu'il faut qu'ils regardent mes vidéos, pour pas faire de la merde. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Jérôme, pour ta sympathie, pour ton ouverture, ouais. Et puis pour ton café de ce matin. Ouais. Quant à nous, on va continuer notre petite visite dans le coin, parce qu'il y en a tellement de choses à voir. Vous allez voir, on va aller voir donc le concurrent à sa vie. Eh bon, il faut bien rire, attends. Oh. En tout cas, merci beaucoup, et je te dis à bientôt, j'espère. Voilà, et bien à très bientôt, à grand plaisir. Ce soir, chez toi, à 8h. Allez, bisous. Pour l'apéro. Tu es arrivé jusqu'à ce message, si tu t'arrives de regarder à fond mes vidéos, ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pelleteur. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. Si, si, non. Tu es mon seul espoir.